Bobby, Francine, j'ai retrouvé ton appareil dans les poubelles et il y avait un chewing-gum encore bon collé dessus. Bon, tu as besoin d'aller où, toi? Nulle part, c'est juste que j'aime bien fouiller les poubelles. C'est le pire endroit du monde. Les ours nous volent notre nourriture. Et on est obligé de dormir à même le sol. Et de faire popo dans les bois. J'aime faire popo dans les bois. Là-bas, couché. Grosse Bertha, tiens, quelque chose. Je vais voir, c'est un truc bien dégoûtant. Du papier? Il y a sûrement un truc plus gros que ça. Pousse-toi, débutant. Parfois, pour certaines tâches, il faut savoir se salir les mains. Fais attention, Lincoln. Tu pourrais te blesser et te faire très mal. Lana? Mais qu'est-ce que tu fais dans cette bulle? J'ai vu ce qui est arrivé à Lola. La vie ne tient vraiment qu'à un fil. Et je ne veux prendre aucun risque. Mais Lana, tu es la championne des risques. J'étais la championne des risques. Dorénavant, je resterai dans cette bulle en sécurité. Et ce n'est pas toi qui vas me contredire, hein, Géo? C'est pas possible, t'es pas sérieuse. Lana! Et comment je vais faire pour garder mes reptiles au chaud? Ce sont des animaux à sang-froid. Contrairement à toi. Des équations à côté. Oh, ce ne serait pas une Aphonopelma calcodes? C'est une migale, mais avec ma classe, on l'appelle Franck. Wow, fascinant spécial. Lynn, bouge plus. On joue à 1, 2, 3 soleils? Cool. Oh, Lincoln, super. Tiens, petit cadeau de Charles. Livraison express de Cliff et parachutage de Walt. Ben, Géo, alors? Je lui ai appris à se servir des toilettes. Ok, tout le monde, écartez-vous. Luna, un air de musique pour creuser? Je m'en occupe, petite sœur. Oh! Dis, Lincoln, t'en as encore besoin? Ou je peux l'utiliser pour souder des trucs? Pourquoi tu me regardes comme ça? Lana, ça te dirait de gagner un passe pour Lactoland. Te moque pas de moi, c'est pas marrant. Je me moque pas. En échange, il faudrait juste que tu fasses un petit truc tout mini rikiki, presque rien. Qu'est-ce que c'est? Je ferai ce que tu veux. Il faudrait que tu prennes la place de Lola au concours de beauté Miss Élégance et que tu gagnes. Non mais c'est une plaisanterie, j'espère. Burke, tu sais à qui tu causes, Lincoln? Oui, à quelqu'un qui va adorer la dernière attraction de Lactoland. Le milkshaker. Ça va si vite que tu peux dégobiller, faire un tour complet et te prendre ton propre vomi en pleine face. Oh, t'es énervant, Lincoln. D'accord, je marche. Mais attends, imagine que Lola la prenne. Tu sais aussi bien que moi comment elle va réagir. Elle n'en saura rien, je te le promets. Berk, tu vas commencer par aller te laver. Lave bien ta crasse ou c'est la dernière place. Lana, non mais c'est quoi ton problème? On a lu et relu le livre de Geneviève, on a regardé le DVD qui va avec, on a même écouté le podcast. Pourquoi tu comprends toujours pas ce qu'il faut faire? Je suis désolée, Lincoln. J'ai beau faire de mon mieux, j'arrive pas à être belle et distinguée comme les autres filles. Il y a sûrement un truc qui cloche chez moi. Non? Lana, attends, y a rien qui cloche chez toi. C'est moi qui ai été idiot. Je pensais tellement à gagner ces billets que je me suis transformée en Geneviève de Fortuné, qui, quand on y réfléchit un peu, a sûrement besoin d'aller s'acheter une vie. Ouais, mais quand même, pourquoi je peux pas être comme elle? Parce que tu es toi. Désordonnée et boueuse, qui cache des tas de reptiles dans ses poches. Mais c'est ça qui te rend génial. Et j'étais bête de vouloir te changer, j'aurais pas dû. Oh, merci, Lincoln! Mesdames et messieurs, mademoiselle Lola Loud et sa fameuse danse du ruban! Bon, c'est à moi. Je vais faire de mon mieux. Oublie la danse du ruban. Montre-leur plutôt ton véritable talent. Tu es sûre? Moi, je veux bien, mais si je fais ça, tu peux dire adieu au passe pour Lactoland. C'est pas grave, ça. L'important, c'est que tu sois toi-même.
Tu peux avoir une ligne de basse, Nounouille? Papa, j'ai bouché les toilettes. Tu peux venir m'apprendre à les réparer? Cole, tu savais que Monsieur McBride avait travaillé comme plombier quand il était étudiant? Il a passé une heure à me montrer comment marche une chasse d'eau. Bon, on va rationner la nourriture et on devrait s'en sortir. Ça veut dire quoi, rationner? Et moi, je veux des croquettes pour chien. Non, mais pas pour moi, pour Charles. Même si j'aime bien aussi, parce que ça rend mon poil soyeux. Qui veut acheter mes reptiles exotiques? Qui veut mon kit pour les morsures de serpent? Moi. Hé, hey, petite crado, accroche un autre verre à l'hameçon. Désolée, on en a plus. Et la fois où papa a crié sur Charles parce qu'il avait mangé ses bottes. C'était moi. Ici on est à l'étroit, mais c'est pas grave, on aime ça. Bienvenue chez les Loud. Poussez, tire, bouscule. Nickelodeon, en exclusivité sur Canal et Numéricable.